le self-branding, c'est des choses qui appartiennent à la personne elle-même, son brand, c'est sa marque, c'est son image. C'est à elle de développer en elle l'image qu'elle souhaite. Il n'y a pas de bon profil et de mauvais. Il y a un seul profil qui est choisi par la personne elle-même. Chacun a le droit de choisir le profil qu'il souhaite être. Ça va de la compétence, et ce sont les 5 éléments. Compétence, c'est du savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-devenir, quel est mon potentiel, qu'est-ce que je souhaite devenir, et le savoir-agir, comment je vais pouvoir résoudre des problématiques. Aujourd'hui, c'est l'ère du digital, c'est pas le e-learning, c'est pas le e-business, c'est pas le e-commerce, c'est quelque chose d'autre. Le digital, c'est une nouvelle forme de développement qui peut aller dans tous les domaines d'activité. Dans ces tables rondes, on a parlé également de l'agilité. On a dit que l'agilité, c'était de l'innovation, la créativité, de la coopération, mais également de la proactivité. Les gens doivent être très proactifs avant que les choses ne se produisent. Ils doivent déjà être au courant et qu'ils le préparent eux-mêmes. La compétence, c'est quelque chose qui se développe, qui est dynamique, qui n'est pas figé dans le temps. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui peut très facilement et rapidement devenir obsolète. Donc l'update est une obligation. On fait l'update par la formation, par les coachings, par les rencontres, par le réseautage, mais également par la lecture. Quelle que soit votre position, dans l'entreprise ou ailleurs, la lecture, c'est quelque chose qui vous permet de vous développer à merveille. Bon courage.